Et salut à toutes et à tous, c'est Chrono et on se retrouve pour ce 32e épisode de Final Fantasy 9. Et on va enfin commencer CD3 parce que dans le dernier épisode on avait fini CD2. Ça se finit vraiment de manière magistrale. On a été voir Kuja et tout, Pierre, la reine Branette est arrivée pour faire la guerre à Kuja, utiliser la puissance des mages noirs, les canons et tout. Et au final, Kuja l'a incité à appeler la plus puissante des chimères, hein, Bahamut, le roi des dragons. Et il y avait des cinématiques de ouf. Et ça s'est fini sur la mort de Branette et le retour à Alexandrie. Où la princesse Grenade va devenir reine, enfin elle n'est pas encore, mais elle va le devenir, et elle a déposé une couronne de fleurs sur sa tombe, et ça s'est fini sur une vue d'elle avec en arrière-fond Alexandrie, la même que ma miniature du disque 2. Et là on va commencer proprement le disque 3 avec nouvelle miniature et tout, on repart, on recommence pas, mais là on va commencer un nouveau pan du jeu et il va pas y avoir beaucoup d'action au début de ce disque 3, vous allez voir. Et bien sûr, j'ai du coca avec moi. Parce que c'est ça qui est bon. Nous voici au château, princesse. Maître Toto, nous ne pourrons bientôt plus l'appeler ainsi. Vous avez tout à fait raison. Après le couronnement, nous devrons l'appeler Votre Majesté. Je vais faire ce qu'il faut pour accueillir une nouvelle reine. Dame Beat, Captain Sailor, l'offririez-vous votre aide? Faites attention en débarquant, princesse. Maître Toto! Princesse, je comprends votre inquiétude. Mais je reste à vos côtés. Vous pourrez monter sur le trône en toute sérénité. Il ne reste plus que 3 jours avant l'avènement de Sa Majesté la Reine Grenat. Gloire à la Reine Grenat! Oh, Jidan, je ne t'avais pas vu depuis si longtemps. Mais c'est un père d'aller. Que t'arrive-t-il? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a peut-être été jeté par une certaine daga. Ça doit être ça. On dirait qu'il n'est plus le même. Au fait, Ruby, il paraît que t'as monté un café-théâtre. C'est pas qu'un café-théâtre. Ma pièce a de très bonnes critiques. Impeccable. Si on allait voir ça. Bonne idée. Alors en route. Jidan, tu n'as pas envie de venir apparemment. C'est bon, si tu changes d'avis, rejoins-nous. Allons-y. Avec une musique bien sympa pour commencer. Dépêchez-vous. Oups, désolé. Ah, Bibi. Bonjour. Comment ça va depuis les souterrains du château? Il s'est passé plein de choses, mais ça va. Et toi, monsieur Franck, qu'est-ce que t'as fait? Moi? Ah, ça me revient. Après votre départ, ça a été terrible. Ce bon vieux Steiner et la souris, Freyja. Et puis, ah, comment elle s'appelle, la nana générale d'Alexandrie? Beat. C'est ça, Beat. Il était dans un sale état. Avec Marcus, on a dû les porter pour les sortir du château. Et Marcus? Franck, dépêche-toi ou Ruby va encore être en rogne. Ruby, il faut qu'on y aille. Désolé Bibi, à la prochaine fois. À la prochaine. Pas la prochaine fois, mais bon. Là, on peut se balader. Je sais pas si ça fait quelque chose si je vais ici. Jidan n'a aucune réaction. La pièce hier soir était vraiment bien. Au travail, il reste encore des anciennes à fabriquer.
Tu as une carte Flambos. J'ai pas encore joué aux cartes, mais ça viendra. Ne vous inquiétez pas, il y aura des combats de cartes bientôt, pas de soucis, c'est juste que j'ai pas encore eu trop envie d'en faire. Parce que c'est de l'annexe, je ferai ça plus tard. Pour l'instant, on va Active Time Event, ça fait un bail, je te le dis. Ça fait un bail, je te le dis. Où t'étais pendant tout ce temps? Bah, c'est inquiété pendant tout ce temps. Désolé, je m'entraînais. Tu t'entraînais? Parfaitement, je m'entraînais. Tu t'entraînais pourquoi? Dis-le nous. C'est que... Il y a un nouveau membre des Tantalas qui est revenu. L'espèce de petit bizarre. Donc là, on va pouvoir acheter pas mal de trucs. Donc, bon, ici, on s'en fout. Est-ce qu'il y a des trucs à piquer? S'il y a des trucs à piquer, ça m'intéresse. Non. Ah si, un truc là. C'est vrai qu'au début du jeu, j'avais pas trop fouillé ici. Sinon, la vidéo aurait duré encore plus longtemps. Premier épisode, c'était pas mon intention. Encore un Active Time Event. Deux même. Bon, Artémission et machin, truc nul. Pour un canado s'envole. Décidément. Décidément, Jidane sait vraiment pas y faire. Ouais. Jusque là c'est l'histoire de Nana, c'était jamais du sérieux, pas vrai? C'est la première fois qu'il est accroché comme ça. Je veux dire, il est fait accrocher, mais elle va devenir reine. C'est vrai, et il le sait bien. C'est pour ça que c'est encore plus dur de se faire une raison. Pauvre Jidane. Eh ouais. Mais s'il essaye pas de passer cette épreuve, il fera plus rien. Il souffre. S'il arrive pas à dépasser tout ça, il fera plus jamais rien. Encore un Active Time, Artémission. Hein. Un mug d'une couleur peu banale. C'est pas souvent qu'on a un mug limite violet. Là. Ouais, c'est violet. Hein. Peut-être pas... Ouais, son chuchu comme violet. Hein. Désolé de vous avoir fait attendre. Oh, Stiskin, ça fait longtemps. Oh Artémission, t'as vraiment bonne mine, comment ça se fait? Enfin bon, comme ça t'es vraiment facteur? Bien sûr que je suis facteur. Vraiment? Alors t'as distribué les lettres que j'avais envoyées ici et là? Évidemment, il y en avait 4. J'ai l'impression qu'il en manque 2. La vue serait-elle plus agréable si la princesse monte sur le trône? Sûrement oui. Avec la princesse Grenat, la vie sera bien plus agréable. Toi aussi tu veux nous saluer la nouvelle reine? Je prends des voix un peu pompeuses parce que c'est un peu ça, hein, des nobles. Allez voilà les trois gars. C'est les trois drôles de type maquette. Alors, Nothing et tout, partisan. Gagnir. Ou hier, j'achète mon gars, j'achète. Galaxias, bâton béni, j'achète. Rotator, ça c'est pas une arme. Enfin si c'est une arme, mais c'est pas une arme qu'on peut équiper. Il y a pas un nouveau personnage qui va arriver et qui va pouvoir s'équiper de ça. C'est des armes de lancer, des armes de jet. J'ai pas ça. Armée d'or, j'en ai pas. J'ai plus Barbuta, mais je crois que... j'en rachète un au cas où, on sait jamais. La brigandine que j'avais volée. Je m'en prends une au cas où. On sait jamais. Parfois, c'est nécessaire. Ouais, le forgeron, là. Ange bleu. Ah, une mid dague. Est-ce qu'il y a une mid dague quelque part? Cher vendu. Middak, ok. Alors, ange bleu. Je sais pas s'il y a une nouvelle compétence. Une toge, mashcan. Est-ce qu'il y a une mashcan? J'ai vendu tout ça.
C'est vrai que c'est... Des fois c'est important de garder les objets. Enfin il y a des objets qu'on peut racheter mais il y a d'autres objets qui ne sont pas rachetables. Donc après si... Ouais non il n'y a pas de... Je n'ai pas de mashcan. Bon c'est pas grave, une toge... C'est pas ce qu'il y a de plus important. Diadème, j'en ai un. Chaîne d'or, j'en ai un aussi. Pote magique. J'en ai eu un. Barrette, j'en ai eu un. J'en ai eu un. Bah, j'en ai eu un. J'en ai eu un. Ah tiens, une extension que j'avais trouvé. Ça, je l'ai trouvé. C'est... Ça, c'était pas mal. Boom bag. Chevillière. Bots de 7 lieues. Obi noir. Obi noir Kenobi. Oui, c'était pourri. On va utiliser la lunalite pour avoir le rouge numéro 5. On a eu pas mal de nouveaux trucs. Ouais, lunalite c'est plutôt rare, mais bon... Oh putain, auto-lévite. Oh putain, c'est bon ça. Oh, c'est énorme. Ouais, on peut avoir quartz. Enfin, quart. Je sais pas pourquoi j'ai dit quartz. Enfin, quoi. Je sais pas comment on dit quart. Ouais, c'est quart. Oh, bon c'est tout pour l'instant. On a refait les petites emplettes. Pour l'instant ça va pas nous servir à grand chose. Vu qu'on peut pas bon on n'a pas l'équipe quoi. Donc on peut pas équiper. Je suis à peine équipé. Bon je suis un peu équipé Bibi mais. Attends, je vais d'abord avoir équipé un truc. Allez, je vais mettre le lobby noir. Non, pas lobby noir, le bot de 7 lieues, voilà. Bot de 7 lieues. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire pour qu'elle ne se fâche pas? Bibi, tu tombes bien. J'ai un petit service à te demander. Bon, j'ai un peu le nez bouché, donc des fois j'ai mal à parler, c'est normal. Bah, de toute façon, ça change pas d'habitude, nez bouché ou pas. Des fois j'ai mal à parler, donc... Mais là, ouais, non, j'ai un peu le nez pris, là. Un service? Qu'est-ce que c'est? Voilà. Tu voudrais pas venir voir la pièce de Ruby avec nous? J'aime beaucoup le théâtre, je viens. J'ai essayé de frauder la première fois. C'est vrai que la première fois, il avait chopé un billet comme ça, il a fraudé. Petit Bibi. Petit délinquant, va. Tu nous sauves la vie. Tu veux bien descendre le premier? Le théâtre de Ruby est juste en bas. Franck. Je dois dire que ça a pas l'air d'aller très fort entre vous. Franck! Tu sais parfaitement que j'ai horreur de perdre mon temps. J'aimerais savoir jusqu'à quand tu comptais me faire attendre. Ah! Qui es-tu, toi? Quel drôle de petit garçon. Mais c'est Bibi! Est-ce l'un de tes amis, Sina? Bonjour Papy Sina. J'étais désolé de ne pas m'appeler comme ça. Je suis encore jeune. Il est amusant. Tu me plais. Tu veux voir ma pièce? Je veux bien. Il est adorable. Il me plaît de plus en plus. Ça va bientôt commencer. Assieds-toi où tu voudras. Ça se bouscule pas au portillon ici hein. Je dois dire qu'on dirait qu'elle t'a oublié, Franck. C'est trop facile. Franck, j'aurais du mot à te dire après. Elle t'a eu. Steiner. Oui, que puis-je faire pour vous? J'aimerais voir Jidan pour lui parler un instant. Ce n'est pas le mot, princesse. Vous ne faites plus partie du même monde. Que se passe-t-il? On vous entend dans tout le château. Princesse, il faut songer à vous préparer, pas à présent. Putain, quel long pif, c'est un truc de fou. Dame Beat, puis-je vous demander d'aider la princesse dans ses préparatifs? Bien sûr. Ah, j'oubliais, je devais vous remettre ceci, princesse.
opale, topaze, améthyste, voilà. Ces pierres contiennent la force que la reine Branel nous avait prise. Mais ne parlons pas de tout cela aujourd'hui. En gros, c'est des pierres d'invocation pour Daga. Capitaine Steiner, avez-vous l'intention d'aider la princesse à s'habiller? Moi, j'aimerais bien la battre, Pénobir. Non! Excusez-moi! Attention, le Pénobir, on t'a à l'œil. Elle est encore mineure, la petite. Beat! J'aimerais voir Jidan. Croyez-vous que cela soit possible? C'est un moment très important. Je pense qu'il vaut mieux y renoncer pour le moment. Vous dites tous la même chose. Princesse. Excusez-moi, je me suis emporté. Si Daga devient reine, j'ai voulu avoir Jidan. Je vais lui écrire une lettre d'amour, à l'attaque. Mais je sais pas écrire les bons mots. La couronne royale est peut-être trop lourde pour notre princesse. Elle aura faire preuve de courage pour répondre aux attentes de son peuple. Il a l'air gentil, lui. Attends, le professeur. Oh oh, j'ai donc l'air si savant. Oh oui, t'as vraiment l'air savant. En quoi ai-je l'air si savant? Tu m'aiderais en me le disant. Ben, déjà t'as une barbe de professeur. Et puis t'as un chapeau de professeur. Et des lunettes de professeur. T'as l'air savant de partout. Oh oh, c'est sévère. Tu saurais pas bien écrire des fois? Tu es bien perspicace. Il m'arrive effectivement d'écrire. Tu voudrais pas m'apprendre à écrire des lettres? Oh oh, il s'agit donc d'une lettre. Eh bien, si cela te convient, je veux bien t'aider. Tu me suis alors? Oh, ce pif. Cet enfant a une corne. Cette corne. C'était il y a si longtemps que j'avais oublié. Jusqu'alors et depuis lors, je n'ai jamais été autant surpris que ce jour-là. Le lendemain de la tempête, un bateau s'est échoué. Il y avait à bord... À son bord, une fillette et sa mère. Il était trop tard pour la mère, mais l'enfant était encore vivante. Quand j'ai vu son visage, les bras m'en sont tombés. Cet enfant ressemblait en tout point à la princesse Grenat, laquelle venait tout juste de décéder. Mais le plus étonnant était que cet enfant avait une corne. Des humains avec des cornes. D'où pouvait-il bien venir? Le roi d'époque ordonna que l'on enlève la corne de l'enfant. Elle pleura. Le roi et son épouse, la reine Branet, l'élevèrent comme leur propre fille. Quel lien peut-il bien exister entre cette fillette et la princesse? Tout simplement parce que cette fillette est la princesse et qu'on lui a fait enlever cette corde. Et donc voici l'explication du pourquoi elle n'a pas de corde. Voilà. C'est tout court. Pas besoin de réfléchir 5000 ans. Monsieur Toto. Qu'est-ce que tu fais? Viens me montrer, vite! Oh, excuse-moi! Je suis sûr il pourrait tuer avec son nez. Le mec, il te fout un coup de tête, tu te prends le nez en plein oeil, tu crèves. Vous êtes magnifique, princesse. C'est la robe qu'elle avait au début. Merci. Beat, il y a une chose que je veux que vous sachiez. De quoi s'agit-il? Je ne suis pas la vraie fille de ma mère. Je veux dire, de la reine Branet. Princesse, Maître Toto me l'avait déjà dit. Mais ma loyauté envers vous va jusque... Enfin, elle restera sans faille. Beat. Merci. C'est beaucoup de scénar, hein. C'est parti. Beaucoup de blabla, beaucoup de trucs, c'est un petit peu longué, c'est vrai, pour un début de CD. C'est fini. Quand il lira ma lettre, Jidan tombera amoureux de moi. Merci, papy. Oh, oh, heureux de t'avoir rendu service. Ah oui, je m'appelle Echo. Je viens de Madain Sally. À la prochaine. Au revoir. Elle vient de Madain Sally? Ne serait-ce pas là le nom du village légendaire des invoqueurs? J'avais entendu dire que ce n'était qu'un mythe.
Comment? Vite, il faut que j'aille donner ma lettre à Zidane. En fait, il est où? Ah, je veux descendre. Oh, ça va? Ça va pas. Désolé, t'es arrivé si vite que je t'ai pas vu. Ben c'est trop haut, je veux pas te faire descendre. C'est pas drôle, sale vieux. Ah, ma lettre. Si tu me fais pas descendre, donne cette lettre à Zidane. Donne cette lettre à Zidane, pardon. D'accord. Je vais la donner à Zidane. Pas de problème. Et qu'est-ce que je fais maintenant? Elle a pas eu de bol, elle est tombée sur un bâche. Tiens, le bateau n'est pas là. Madrouille terminée, rien à s'y aller. Ah, je savais bien que je vous connaissais. Vous êtes bâche voleur. Il me demande, et pourquoi? Oh, c'est toi. Capitaine, si c'est un voleur, on l'arrête. Non, il m'a rendu service. Je m'en occupe. Continue la patrouille. Compris. On dirait que t'es moins bordé qu'avant. Ce n'est pas le problème. Tu n'as rien à faire ici. Pars sur le champ. Je vois. Mes compagnons sauvent le pays. Et voilà comment on nous remercie. Je ne pensais pas qu'un honorable chevalier les remercierait de leur courage de cette façon. C'est vrai. Zidane sauvait notre pays et a protégé la princesse. Mais un voleur reste un voleur. Et on ne peut pas les laisser venir au château. C'est bien ce que je pensais. N'avais pas l'intention de rester, Jussi. De toute façon, Zidane n'est pas dans le coin. Tu ne saurais pas où je peux le trouver par hasard. On dirait qu'il ne veut plus venir au château. Et tu ferais bien de suivre son exemple. Ah, tu me saoules! Je comptais pas revenir. Ah ah ah, le bateau tombe à pic. Faut que j'arrête de gueuler comme ça, je suis en train de me niquer la gorge. Allez, ramène-moi en ville. Et vous avez pu voir qu'il a oublié la lettre qu'il a fait tomber. Je savais bien que ces hurlements ne pouvaient pas être Castaina. Pas. Je dois aller chercher la princesse et ma poitrine me fait mal comme jamais. Cette douleur. Tiens. Steiner a perdu quelque chose? Qu'est-ce que c'est? Oh, le ciel nocturne de la lune sera pareil. À l'embarcadère, je t'en arriverai et j'attendrai. Qu'est-ce que c'est que cette lettre? Serait-ce une lettre de Steiner? Pour moi? Steiner. Sacré Daga. Ça lui plaît tant que ça les traîne. Non. Non, non, non et non! Son daga, je peux plus vivre moi! Son sourire, sa voix, pour moi sa voix, c'est la plus merveilleuse des chansons. Quand j'entends, je me sens capable de voler plus aucun oiseau. Mais, tu peux voler? Tu peux voler très haut, Zidane! Elle a raison, Zidane! Ça te va pas de rester à te lamenter sur une table, Zidane. Je dois dire qu'il a raison. Lâchez-moi. Qu'est-ce que vous comprenez à mes sentiments? Zidane, ça fait un bail. T'as une seule tête, ça va? Chef, laissez-moi revenir chez Tantalas. Repartons voler des trésors tous ensemble. Des trésors? Un trésor, ça se mérite. Il faut se bouger pour en dénicher. Mais...
Et une fois qu'on en a en vu, il faut tout faire pour récupérer. Pour récupérer, pardon. Tu devrais le savoir. C'est la première règle des temps d'Alas. Ceux qui ne la respectent pas ne sont pas des nôtres. Donc, tant que tu ne seras pas capable de capturer un oisillon, tu ne seras pas un Tantalas. Chef! Jidan, on va voir Mlle Daga? Ah, ce gamin d'un naturel époustouflant! On y va, dit Jidan? Dis, on y va? Ça va, j'ai compris. On va aller au château pour encourager les gars. Enfin, on a récupéré Jidan. Voilà, il est niveau 24. Alors, voyons ce qu'il y a sur l'ange bleu. Il y a coffret, et je crois que c'est la dernière compétence de Jidan. Si je ne dis pas de bêtises, on va voir ça tout de suite. Alors, et ouais, c'est ça. Coffret est la dernière compétence de Jidan en combat. Après, il y a encore pas mal de compétences, mais on en a déjà appris pas mal, comme vous pouvez le voir. Mais au moins, c'est la dernière compétence de combat de Jidan, coffret. Et sûrement la plus puissante, mais encore faut-il avoir tout... Enfin, voler pas mal de fois. Faut voler pas mal de fois pour pouvoir en dévoiler toute la puissance et faire 9189 de dégâts avec cette compétence-là. Personnellement, j'ai jamais utilisé, mais c'est vrai que dans les challenges, ça peut être bien utile. Ah, j'ai complètement oublié de donner la lettre à Jidan. Ah, tiens. Ah, 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 je l'ai plus. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ah, le Vénus rayonnant. Qu'est-ce que tu veux, petite gamine? Voilà, on se dirige au château pour aller voir Mlle Daga, comme dirait Monsieur Bibi. Jidan, si tu es en ville, tu peux faire l'effort de venir. Qu'est-ce qu'il y a? Ma tête te revient pas? Je n'ai rien dit. Tu veux te battre? Je ne cherche pas à me battre. Mais si on me provoque, je réponds. Mais si tu me présentes des excuses, j'oublierai toute cette histoire. Laisse-moi rire. Il est strictement interdit de se battre. Arrêtez immédiatement. Hola, hola, on se calme. Oh, Jidan. Je sais qu'on ne s'est pas eu depuis longtemps, mais je suis occupé. Tu connais cette femme? C'est le cas, dis-lui qu'on m'appelle Tarasque le Rouge. C'est bon, ne te fâche pas, elle est juste de mauvaise humeur. Excusez-les, mademoiselle, c'est des amis à moi. Vous pouvez faire ça pour moi, non? Bon, la princesse Grenade nous a dit l'importance qu'elle accordait aux vies de Monsieur Jidan, Dame Freja et Monsieur Bibi. Daga a fait ça? Bien sûr, désolé. Freja, arrête de faire cette tête. Je n'en veux qu'à une personne. Et c'est à toi, Jidan. Daga, à ton âge, et quand elle se trouve à devoir gouverner un pays, tu disparais. Est-ce que tu t'es renseigné sur Kuja? Alors, j'attends. J'ai cherché, mais... Qu'est-ce que ça veut dire? On parle bien du Kuja qui a enlevé son pouvoir d'invocation à Daga. Le même Kuja qui commande aux chimères et qui a tué Branette, alors qu'il a été son allié. Qui sait ce qui peut encore arriver à Daga? Ça va, j'ai compris. Mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Je saurais même pas parler gentiment à celle que j'aime. Je suis pas sûr que ça va la protéger. Et si en plus c'est une reine, elle a plein de chevaliers pour le faire. C'est pas un rôle pour moi. Dis, Jidan. Je pense que Mlle Daga sera très contente de te voir. Alors, on va la voir? D'accord, mais pas longtemps. Jidan, ne crois pas pouvoir m'échapper, je te suivrai n'importe où. Tu fais comme tu le sens. Voilà, on a récupéré Freja, qui a des niveaux en dessous, quoi. Ryuken, est-ce que... Ouais, partisan, il y a Ryuken.
J'ai racheté un partisan, bon bah, c'est pas grave. Au moins, voilà. Au moins, on est sûr. Et Algenguinir. Côte Ernimur. Ah oui, faudra que j'achète pas mal d'armure. On va voir ça plus tard, les mecs. Hein. On s'en fout des équipements dans cet épisode. Parce que de toute façon, on va pas pouvoir les utiliser avant un petit moment. Cet épisode va bien durer, je pense, mais c'est l'introduction du CD3, c'est un peu long, beaucoup de blabla, mais bon, c'est après, vous allez voir, ça va s'intensifier l'action et tout, il va y avoir des trucs épiques de la mort qui tue. Rhin, on traite pas les dames comme ça. Et tu continues ton tapage, je te jette en prison. Beuh. Qu'est-ce que t'as, Echo? Jidan, eh bien, tu sais... Il a dit que j'étais bruyante, saoulante, pleurnichante, et il a dit que des choses méchantes. Il n'a peut-être pas tort. Quoi? Beuh! J'ai horreur des enfants. Calme-toi un peu, comment t'appelles-tu? Moi, je m'appelle Echo Carole, je viens de Madain Sally. Madain Sally, vraiment? C'est la première fois que j'entends ce nom. Tu connais rien alors? Madain Sally, c'est... Combien de temps allez-vous rester là? Vous êtes dans un château, vous n'avez rien à faire ici. Bonjour grand-père Seiner. Mais c'est Monsieur Bibi, il y avait longtemps. On est venu voir Mlle Daga. Vous voulez voir la princesse? Très bien, puisque cette demande émane de vous, je vais voir ce que je peux faire. Très bien, restez ici. On voit que Tarasque n'a rien à faire de la princesse. On voit où je suis là, mais je m'en fous. Pas ici, princesse. Vous êtes venu? T'es jolie, Daga. Oui, t'es très belle, Mzel. Oui, vous êtes splendide. Splendide! Jidan, tu ne dis rien? Je... me laisse tomber. Princesse, cela vous suffit-il? Jidan... Oui, allons-y. Daga, attends! Vous avez vu qu'ils ont remis le nom de Grenat hein, pour l'occasion. Daga, on va plus se voir? Non, bien sûr que non. Mais je ne pourrais plus me promener à travers le monde avec vous. Mais j'oublierai jamais toutes nos aventures. Daga, j'aurais vraiment aimé être ta rivale. Ma rivale? Tu es surprenant parfois, Echo. Ah, j'allais oublier. J'ai quelque chose pour toi. Pour montrer nos liens dans vos cœurs, nous allons partager les 4 perles. Il y en a 2 pour moi. Et 2 pour moi. Au revoir, Echo. Jidan, pourquoi t'as rien dit à Mlle Daga? Les mots. Les mots. Qu'ont-ils, les mots? J'ai pas trouvé les mots. J'avais préparé ce que je voulais lui dire, mais... c'était n'importe quoi. C'était pas moi. Accroche-toi, Daga, on est tous avec toi. Si t'as un problème, n'hésite pas à venir nous voir. C'était n'importe quoi, c'était pas moi. C'était pas... mes mots, ça. Je le savais. Jidan ne pense qu'à Daga. J'aurais pas dû rire ma lettre. Mais Jidan avait l'air si triste. Je pourrais vraiment rien faire pour lui.
Rah, Jidan, t'es bête, t'es bête. Jidan, je t'aime plus. Tu t'intéresses pas à moi. C'est méchant, mais j'irai pas au rendez-vous de ce soir. Il faut que je parte avant que ce méchant monstre arrive. Hein? Voilà quelqu'un. Et c'est Jidan. Il faut que je me cache. C'est une des scènes les plus marrantes de FF9, là, je trouve. Vous allez voir. Franck, on dirait qu'il y a personne. On est peut-être arrivé trop tôt. Je veux dire, peut-être bien. Je me demande quand même qui t'a envoyé cette lettre. Bah regarde, t'as vu ce style? C'est sûrement une superbe nana, pas vrai? T'es sûr? T'arrêtes pas à dire que t'es un tombeur, mais j'en ai jamais eu la preuve. Et puis je veux dire, cette lettre, on t'a pas donnée. Tu l'as reçue sur la tête quand t'es vu au château tout à l'heure. Justement, elle voulait pas qu'on la voie me la donner, alors elle a fait comme ça. Tu serais pas en train de dire que je peux pas aux nanas quand même? Pour une femme, c'est pas évident d'un... Franck, voit quelqu'un! Marcus, pour écouter, et Franck, il faut qu'on se manque! Voilà, voilà. J'ai pas eu le temps de tout lire parce que ça recouvrait, donc j'ai pas pu lire, voilà. On peut, vous aussi, vous avez pas pu lire, on peut pas lire, c'est impossible à lire, et ça se chevauche, le truc. Dorénavant, plus personne ne percera nos défenses. Je me réunirai de matin, midi et soir, tous les jours, par tous les temps. Rien à droite. Rien à gauche. Ah. Qui a jeté ce papier? C'est pas un papier, on dirait une lettre. Qu'est-ce que... Bon, je vais pas vous le relire, voilà, vous avez compris. Comment? Mais, c'est une déclaration. Mais qui? Et pour qui? Il n'y a rien d'écrit, ni destinataire, ni expéditeur. Si ça se trouve, quelqu'un l'aurait laissé ici pour moi, sachant que j'allais venir. Mais qui c'est la petite bien-être? Steiner! Bit, c'est toi? C'est ça l'amour des grands? Franck, tais-toi et regarde! Steiner! Bit! Qu'est-ce qui va se passer? Je vais plus te dire très longtemps. Imbécile, recherche-toi. Hache! À la limite, j'aurais envie d'éternuer moi aussi, parce que c'est un... Chef! Ah, c'est le moment! On va avec Bit, t'es bien embarrassé. Hein. C'est marrant, j'aime bien cette petite scène comme ça. Jidan, où est-il encore parti? Qui sait? Vais chercher. Tu peux pas regarder où tu vas? Je suis très énervé, alors fais attention. Excusez-moi. N'y aurait-il pas une jeune fille nommée Echo par ici? Ah! T'es le professeur! Tu m'as l'air en pleine forme! Bien sûr! Je suis toujours en forme! En vrai, je suis triste parce que tu ne m'aimes pas. Que dis-tu? J'ai rien dit! Pourquoi t'es venu me voir, drôle de professeur? Oh, j'avais presque oublié! Comment tu dis qu'il s'appelle ton village? C'est Madame Sally, pourquoi? Madame Sally, c'est Sena. Puis-je poser quelques questions à ce sujet? Bien sûr, c'est pour te remercier pour la lettre. Mais pas ici, on peut aller dans ta maison. Ma maison? C'est que ma maison est à Traîneau, c'est un peu trop loin d'ici. Traîneau, c'est bizarre comme nom de ville. C'est pas grave, j'ai envie de connaître plein de choses, alors même si c'est loin, je veux y aller. Je viens avec vous. C'est le grand tournoi de cartes de Traîneau en ce moment, non? J'ai envie d'y participer. Le grand tournoi de cartes, ça a l'air bien. Je veux venir aussi. Je viens aussi. Traîneau. Ah 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 ah, quel enthousiasme. Très bien, je vais vous faire les honneurs de Traîneau. Enfin, on va pouvoir visiter Traîneau tranquillement. Sans chercher des gulpatines et tout et tout. Il y a encore de la brume. On dirait l'IFA avant que la brume disparaisse. J'ai l'impression qu'il y a moins de brume qu'avant. J'ai entendu dire que vous aviez anéanti la brume. Mais elle reste encore autour des racines. C'est cela la gorgone? Très bien, allons-y!
En espérant qu'on se retrouve pas face au Larvala, encore une fois. Là. Deux bouffons par une nuit sans lune. Vous reconnaissez ce thème, deux bouffons. C'est bien sûr pile et face. Et il n'y a personne. Vraiment? Vraiment? Il n'y a vraiment personne. Évidemment. Et maintenant, que venons-nous? Nous prions la princesse Grenade d'accepter de nous laisser revenir au château. Mais pour nous vraiment revenir au château? Nous allons lui demander, donc nous ne savons... Cachons-nous! Il n'y a vraiment personne. Je dois dire que c'est vrai. Le moins qu'on puisse faire pour Zidane, c'est faire des rondes de nuit. Et puis comme ça, la paix est maintenue à Alexandrie, non? C'est vrai, je veux dire, comme ça, Zidane est tranquille. C'est calme ce soir, peut-être un peu trop. Allez, on refait un tour. Ça marche. Ouf. Elles ont bien failli être découvertes. Qu'allons-nous faire? Cela est décidé. Tant que ces gens sont rentrés à Alexandrie, nous devons à tout prix nous enfuir. Voilà, bon, on a la chance, on a eu le voyage instantané à Tréno, hein, on n'a pas rencontré de Larvalar, c'est assez tranquille. Il a dû tomber dans Pinnacle Rocks, hein, peut-être. Qui sait s'il a suivi le chemin comme un con. Peut-être qu'il est mort comme ça, on sait pas, Enfin, on le voit plus, voilà, tant mieux. Je ne savais pas qu'il y avait de telles routes jusqu'à Tréno. Je suis désolé, mon voyage n'a pas été très agréable. C'est rien, ça va. T'es déjà venu à Tréno? Et toi? Moi? Tant qu'il y a de jolies filles, je peux aller dans n'importe quelle ville. Je suis pas allé en ville? Je parlerai de Madame Sally après, d'accord? Bien sûr, rien ne vous presse. Qu'est-ce que t'attends, Bibi? Viens avec moi. Hein, moi? Tu veux laisser partir une fille toute seule? Escorte-moi. Je vais me promener un peu. C'est une bonne occasion de me les délasser. Alors qu'est-ce que tu vas faire Tarasque? Je comprendrai jamais. Au fait, aujourd'hui c'est le dernier jour pour s'inscrire au grand tournoi de cartes. Ah bon? Je vais me dépêcher alors. Je joue assez bien aux cartes. Si vous avez des ennuis, demandez-moi, je pourrais vous aider. Je suis pas un gamin, j'ai pas besoin d'aide. Bon d'accord, à tout à l'heure. Ok, il y a des active time events, mais je les verrai plus tard. Il y en a combien? Il y en a... Non, je vais vous laisser ici, on se retrouve la prochaine fois, on va faire tous les activités. J'ai peur que ça en débloque d'autres, il y en a deux qui se débloquent pas. Enfin voilà. Je vais m'arrêter ici et je vous reprendrai directement après, je vais tourner un autre épisode à la suite, je pense. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié ce 32e épisode de Final Fantasy 9, le début du disque 3. C'est un petit peu long à démarrer, mais là, voilà, il y aura un peu moins de blabla, on va plus avancer, on va faire de combats de cartes, et tout comme ça, plein d'ATE, voilà. Ça va être un peu mieux que le premier épisode de CD3, c'est vrai que c'est un peu long à avancer au début du disque 3, mais vous allez voir. Par la suite, ça va être énorme. Donc voilà, merci à tous, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner, et à partager surtout. Merci aux 300... je sais plus combien d'abonnés, j'ai oublié le nom exact, mais merci, plus de 3... non, 400, pas 300, 400. Voilà, 437, 438, je crois. Voilà, merci à tous, et à la prochaine.